Salut c'est Trado je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders. Ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix et eh bien un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument euh, sans équivalent hein, de bâtir intelligemment simplement rationnellement euh, vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela, re, cela repose sur des éléments euh, multiples. Le premier, c'est que on, on a ici une stratégie de type cœur satellite hein, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous euh, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais hein, de, de votre portefeuille il peut s'agir de, de plusieurs choses mais en tout cas c'est euh, le l'esprit le, le, hein, de, de votre portefeuille et ensuite on va compléter on va compléter avec des poches particulières hein, ici dans votre exemple Alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre, de, votre, de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des, des valeurs de conviction qui vont dynamiser hein, votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre, euh, votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez... Euh, colorer euh, votre votre patrimoine avec des, des choses sectorielles ou de convictions qui vont vous permettre euh, de dynamiser hein, le, vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer. La stratégie dite de DCA (dollar cost averaging) qui consiste à acheter tous les mois, à investir la même chose, la même somme tous les mois, j'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalle fixe, on le fait sur des niveaux intéressants. Et puisque c'est samedi, on commence avec le S&P 500 dans le cadre des euh, ETF cœur de portefeuille. Alors je vous rappelle, si vous découvrez ce format, que le S&P 500 est très souvent mis en paquebot, en fond de portefeuille ETF hein, à cause de sa performance euh, sur plusieurs décennies qui reste quand même à, sur des niveaux très élevés. Comme on peut le constater, on est euh, sur une zone de, 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 de entre Deux eaux, hein. on n'est on est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est à 39,00-37,00. Euh, on a une tendance de long terme qui est neutre, puisqu'on est au-dessus de la M200, mais la M200 descend encore toujours. Par contre, on est en tendance de fond qui est haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Si on regarde les bougies à et eh bien on constate que c'est positif hein, puisque vous avez un régime de bougies vertes bougie verte longue et sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter que l'on ait fait les plus hauts. Mais je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, d'ailleurs vous trouverez des petites résistances qui commencent à, à arriver, notamment celle-ci hein, sur la zone des 4070 environ, et euh, raison de plus en fait pour ne pas commencer à accumuler, mat, accumuler maintenant, de toute manière on a déjà eu l'occasion d'accumuler avant, que ce soit sur les 39.00, 37.00 ou encore plus sérieusement hein, sur la zone de support hebdomadaire des 35.80, 34.80. Alors si vous voulez accumuler petit à petit du SP500, je vous rappelle que vous pouvez trouver une multitude sur si mes SP500, vous allez avoir voilà le, le iShares. shares Alors, le iShares encore une fois hein, c'est le c'est le plus gros. Hein, c'est BlackRock, hein, les ETF BlackRock donc euh, qui s'appelle d'ailleurs Core hein, pour montrer que c'est du coeur du coeur de portefeuille notamment. Euh, donc par accumulation ici un hein, naturellement suis amoulié. On fait aussi hein, du euh, du SP500. Euh, après vous avez également par distribution pour ceux qui veulent des revenus ici avec euh, un autre iShares. Bref vous avez énormément de choix. Possible pour euh, les, euh, le SP500. Euh, si vous voulez plutôt mettre du Nasdaq en, en portefeuille pour le, le TF, euh, enfin pour le TF cœur de portefeuille, alors vous allez avoir, nous sommes actuellement en train de sortir hein, d'une de, de la zone d'accumulation euh, rationnelle. On l'a vu, hein, on l'a été pendant, pendant longtemps. On, a, on, on en est sorti en début de, enfin, en, en, la semaine dernière, en fin de semaine. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait était là. Hein, le support mensuel est 1711-400. On a pris depuis les plus bas euh, qui ont été inscrits en janvier, en début d'année. Donc on est déjà à 14, 14,5-15%. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme, c'est important, est en train de basculer. Alors, on n'est pas en tendance haussière pour le long terme parce qu'on est toujours au-dessus d'une M200 qui descend et pas au-dessus d'une M200 qui, euh, qui monte, hein, comme ça a été le cas ici, par exemple. Par contre, la tendance de fond, elle est haussière. On au-dessus de la M50 qui monte. Hein. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faut vraiment le comprendre. Les seuls qui pourraient accumuler maintenant sont ceux qui n'ont pas eu confiance euh, dans le Nasdaq avant et qui voudraient commencer à le faire au cas où on remonterait pour ne plus jamais descendre. À partir de là, on peut envisager d'accumuler. Mais si vous avez euh, déjà accumulé préalablement dans les zones d'accumulation rationnelle euh, précédemment visitées, il n'y a pas de raison d'investir maintenant, surtout que comme vous pouvez le voir, hein, on est sur euh, sur une zone de résistance ici, hein, qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas été passée. Hein. Donc attention, les bougies Aikinashi sont euh, très bien orientées, comme hein, vous pouvez le voir sur des grandes bougies vertes sans mèche basse. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Euh, je vous invite à considérer l'utilisation du, euh, du sélecteur d'ETF. Donc vous tapez Nasdaq et vous allez avoir une fois de plus hein, tous les, euh, tous les euh, ETF des grands émetteurs qui vont apparaître, celui d'I Shares par distribution, un autre. Accumulation Amundi, Wisdom Tree, celui-là il est avec du de, de l'effet de levier. Euh, bref, les Français comme Amundi. Bref, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour euh, initier des positions sur les ETF euh, à, euh, Nasdaq 100. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un euh, courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic c'est allemand, Trade Republic c'est plus d'un million de, de clients, des milliards de suggestions avec un, un choix absolument incroyable d'actions de, de, et d'ETF et même vous pouvez accéder à à des, des ordres de bourse à 0 euros si vous vous faites des plans programmés mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année c'est que trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique hein, et qui consiste à attendre les, euh, les zones clés pour acheter et eh bien pendant que vous attendez vous avez la possibilité d'être euh, rémunéré. Voilà, dernière chose et je le répète parce que je l'ai déjà dit, euh, Trade république est régulé par la Bafin c'est à dire l'équivalent de, de l'AMF allemande qui est réputée même encore plus euh, euh, sélective. Bref c'est mon sponsor, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous euh, et euh, découvrir euh, l'offre exceptionnelle hein, que vous propose Trade Republic et en tant qu'européen, si vous voulez euh, mettre de, de l'Eurostoxx 600 ou 50 dans votre portefeuille, naturellement, c'est envisageable. Alors, il faut savoir que certains mettront l'Eurostoxx 600 euh, ou 50 en plus euh, d'un ETF SP500 pour avoir euh, une sorte d'équilibre. Hein. Ce sont des choses qu'on peut trouver. En tout cas, voilà l'Eurostoxx 600. Comme on peut le voir, la tendance de long terme est maintenant bien établie. On ne plus du tout baissier, on est au-dessus de la M600, de la M200 et de la M50 qui monte. Par contre, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Notre zone d'accumulation rationnelle la plus immédiate me semble-t-il était 447-442. Malheureusement, on n'y va pas pour l'instant. L'eurostock 50 est très fort, très solide. Je pense qu'il n'y a pas matière à se précipiter non plus. Quand on regarde la progression qu'il y a eu depuis novembre, euh, pardon octobre, on en est à plus de 20 On en est à 20, 21 C'est normal que l'on consolide un petit peu. Un retour sur les 426, 421 serait souhaitable et envisageable hein, lorsque la, 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 la baisse se sera mise en place. Étant donné que vous avez déjà accumulé préalablement, il n'y a pas matière à se précipiter, on est bien d'accord. Maintenant, si vous n'avez pas commencé à accumuler de l'eurostoxy 600 en ETF et que vous voulez le faire et que vous craignez de ne pas euh, avoir l'opportunité d'en le faire encore à ce prix là on peut envisager d'accumuler un petit peu mais il faut vraiment comprendre qu'il faut garder de quoi investir euh, pour, euh, pour plus tard sur des niveaux plus intéressants hein. progressivement c'est toujours mieux et pour l'euro stock 50 c'est la même chose hein. vous avez une, une tendance qui est fortement euh, euh, établie à la hausse donc si on met eurostock 50 vous allez avoir Ici, euh, une tendance qui est encore plus haussière avec la M200 qui monte, la M50 qui monte. Là aussi, on n'est pas revenu sur la zone qui nous intéressait pour l'accumulation rationnelle, qui est un retour sur les 40 30 39 -0 -0 tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie à euh, plutôt haussière. Alors c'est pas extrêmement haussier, mais ça reste vert. Donc c'est euh, haussier. On a des bougies assez courtes. On les aimerait un petit peu plus longues, comme c'est le cas ici, mais ça reste quand même plutôt haussier. Euh, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit. On s'approche de la résistance mensuelle, les 44, 30, 42, 60. Euh, et euh, maintenant, si on utilise euh, le sélecteur de TF pour trouver notre bonheur. Alors, si on veut du euh, Eurostock 600, euh, le, il faut mettre stocks, hein, généralement ça le sort tout seul. Stock 600, là, le, la Mundi en accumulation, l'iShares en distribution. Ah non, pardon, c'est autre chose là, c'est un autre, autre sous-jacent. Donc, je disais l'Eurostock 600 en, en accumulation, vous avez le x en accumulation ici oui, euh, également. Vous Avez également de, de, des choses un petit peu plus pointues, hein, comme par exemple, mais c'est ça, c'est de la distribution, c'est du satellite, hein, c'est pas du, euh, du cœur de portefeuille. Vous voyez comme si vous voulez vous, euh, vous spécialiser dans l'assurance ou dans les voyages euh, euh, sur les valeurs de l'euro 600. Je vous montre simplement le, ce qui est possible. Et puis pour l'euro stock 50, c'est pareil, hein, plein démetteurs différentes comme le high Shares, ici en accumulation ou euh, euh, ou encore euh, la Mundi. Hein. Et on va terminer avec euh, l'Europe, le, avec le, le CAC 40. Toujours possible bien sûr de mettre de du cac 40 en cœur de portefeuille quoique ça me semble quand même un petit peu spécialisé. Euh, c'est un c'est un choix plutôt plutôt rare, mais en tout cas le plus important à comprendre c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Hein. La zone d'accumulation rationnelle sera le retour sur le support hebdomadaire ici hein, des 66 euh, 87 68 24. Bon il y a une petite zone ici. Euh, intermédiaire qu'on peut établir à 69,46, etc. Mais il me semble quand même, en note, que lorsque la, la consolidation se mettra en place, on pourra viser les 76, 87, 88, 24 pour entrer. N'oubliez pas qu'on a déjà eu l'occasion de rentrer à, à bon compte, beaucoup plus bas sur la zone d'accumulation rationnelle des 57, 57, 20 Donc ceux, ceux qui n'ont pas encore euh, eu l'occasion de rentrer peuvent le faire sur les niveaux actuels, mais si vous êtes des fidèles du, du format, vous l'avez fait déjà à des prix plus intéressant euh, on termine avec euh, un etf monde parce que le tf monde c'est quand même la façon la plus facile hein, d'accumuler en cœur de portefeuille et vous pouvez passer par exemple pour la Mundi. Alors je parle toujours de la Mundi pas parce que c'est ma préférence, mais parce que c'est un très bon ETF apparemment qui est, qui est le plus euh, suivi hein, en enfin, des plus suivis en France. La tendance de long terme recommence à devenir favorable. Alors c'est pas aussi puisque la M200 descend encore, hein, mais on est en train de se hisser au-dessus. L'attente de fond est plutôt neutre, hein, puisque la M50 descend, mais on est au-dessus. Bref, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus. Hein. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 375-369. C'est là qu'on a accumulé euh, les précédentes fois. Donc, euh, si vous l'avez déjà fait, il n'y a vraiment pas matière à se précipiter. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'accumuler et que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, vous avez cette zone de congestion ici. Hein. Cette zone de congestion était zones d'accumulation rationnelle. Donc c'est euh, enfin, une résistance qui est devenue zone d'accumulation rationnelle. On peut lui donner une valeur simplement pour, pour les plus pressés. Hein. Elle s'établit entre 394 et 383, on va dire. Euh, je suis désolé, je suis obligé de me répéter il n'y a pas de raison de se précipiter si vous avez déjà accumulé préalablement sur les 375, 369 par exemple on a déjà sollicité cette zone donc là c'est la zone d'intervention d'accumulation pour les plus pressés hein. si vous cherchez d'autres euh, ETF euh, monde, passez par le sélecteur, toujours pareil, mettez World parce que la, la plupart euh, des ETF ont cette terminologie World quelque chose, donc celui d'iShare celui d'Amundi, celui d' trackers ils l'ont tous hein, et vous pourrez ainsi trouver d'autres euh, options si celle ci ne vous intéresse pas voilà je vous souhaite une excellente journée je vous rappellerai deux choses la première des choses c'est que ce format il est mis à jour toutes les semaines donc pensez à vous abonner à ma chaîne youtube activer la petite euh, clochette pour ne pas louper les mises à jour ensuite j'ai mis euh, à jour hein, enfin non j'ai pas mis à jour j'ai publié un, 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 un format satellite euh, cette semaine n'hésitez pas à vous vous y reporter on y voit notamment euh, les zones qui sont en accumulation rationnelle hein, enfin les des etf qui sont en zone d'accumulation rationnelle pour du satellite notamment je vous invite à regarder ça hein, le Japon, euh, le climate change et euh, vous avez la vidéo juste à la fin euh, de cette vidéo aussi pour la euh, visiter excellente semaine à tout de suite pour d'autres vidéos